Salut tout le monde, de retour en live. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Tous ceux qui sont sur le live, qui nous regardent, qui nous écoutent. Du coup, Raph, salut à toi. Comment est-ce que tu vas après cette défaite? Bah moi, écoute, je me porte, on va dire, plutôt bien. Contrairement de certains joueurs de l'OM pendant cette préparation. Un peu déçu. Après, voilà, je sais qu'il faut, je pense, prendre un minimum de recul, même s'il y a pas mal de signaux d'alerte, en tout cas dans cette prépa. Mais voilà, on aura le cœur d'en parler. On va prendre une bonne demi-heure pour le faire. Donc bon, comment ça va, Yass? Comment ça va, mon pote? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que les viewers vont bien? Est-ce que Moi, de mon côté, ça va nickel. Après, du côté des viewers, je sais pas trop. Bon, il risque d'arriver petit à petit. Mais non, ça va nickel de mon côté. Juste la défaite m'a un peu... Après, en soi, je suis pas quelqu'un qui juge très rapidement. J'ai pas des jugements ultra rapides sur ce genre de truc, parce que je sais que les matchs de prépa, en quelque sorte, c'est pas que ça veut rien dire, c'est juste que c'est pas représentatif d'une saison ou quoi que ce soit. On rappelle quand même que Middlesbrough, ils sont sur la phase finale de leur préparation, alors que l'OM a fait qu'un match de préparation juste avant. Deux, pardon. Je me suis dit j'allais pas compter Marignane Gignac, mais je vais quand même le compter. Mais ouais, deux matchs de prépa et Middlesbrough qui sont sur la fin de leur prépa, donc c'est pas au niveau physique on l'a senti. Moi je te donne mon avis directement, je te donne mon avis sur le match directement si ça te dérange pas. Au moins, Non, mais carrément, je t'écoute. Ok. Elbrusque qui est là, salut Elbrusque. Yo, on a une défense de D4, c'est chaud. Totalement. On va en parler. Difficile de contredire Elbrusque sur certains points, bien sûr. Pourtant, il y a quand même des. Ouais. Non, mais des joueurs qui ont été corrects ce soir. Ouais, il y a des défenseurs même qui ont été corrects, mais. On va parler. J'ai parlé d'un mec. Tu parlais du côté physique, Yass, c'est ça, hein? Ouais, justement. Alors avant de parler de la défense, côté physique, ça se sent. Ça se sent que ils sont pas prêts. Les joueurs sont pas du tout prêts niveau physique. Après, c'est normal, c'est troisième match de prépa. Je sais pas pourquoi je veux pas compter Marignane Gignac, mais c'est pas grave. C'est le deuxième qu'on enchaîne rapidement, quoi. Ouais, c'est le deuxième qu'on enchaîne rapidement et sans manquer de respect à Marignane Gignac. Et sans manquer de respect à Marignane Gignac, c'est le deuxième qu'on enchaîne vraiment à un niveau un peu plus élevé. Ouais, pro, c'est pro. Hein. Ouais, voilà, c'est pro. Et ça sent, quoi. Ça sent qu'ils ne sont pas prêts physiquement. Si ce n'est Klaus, je ne sais pas, j'avais l'impression. Bon, après, il est rentré en cours de jeu, donc c'est un peu moins visible. Mais on voit qu'il y en a très peu qui arrivent à tenir les 90 minutes. Et puis... c'est normal, quoi. C'est normal, au niveau physique, c'est normal. Après, il y a quand même des lacunes. Il y a des lacunes qu'on commence à voir et à revoir. Je parlais notamment d'un défenseur, Khaled Tchar, voilà, tout simplement. Il faut commencer à en parler aussi, parce qu'il a fait la même erreur contre Marignane Gignac, j'ai excusé parce que c'était le premier match. Contre Norwich aussi, je crois.
Norwich aussi, il fait des erreurs assez ouf. Et là, contre Middlesbrough, il enchaîne aussi des erreurs. Bon, là, ça va commencer à faire beaucoup, quoi. On a quand même besoin Ouais, d'une grosse carrément, défense. c'est un joueur enfin dont moi je, personnellement et je comprends pas trop sa titularisation, enfin titularisation son entrée en cours de match et le deuxième match qu'il enfin le troisième match qu'il enchaîne du coup. Ouais. Parce que voilà, bon, on sait qu'il est plus ou moins sur la liste des départs plus mélangé au fait que ça fait quand même quelques temps qu'il était censé partir du club. Donc c'est à la limite un indésirable de ce qui se dit un petit peu dans la presse et de ce que la direction laisse émaner aussi, hein, parce que voilà, on sait que Longoria il a aussi déclaré voilà qu'il allait quand même se D'ailleurs, elle centrer sur sa brusque, fin de n'en vente, etc. profites-en, donne ton avis toi aussi. Donc bon, et puis il y a quand même un truc assez marquant ce soir, c'est Yast t'as dit deux fois Middlesbrough ou Middle Ah donc ouais, j'ai dit déjà. Middlesbrough. Je pense que j'ai dit Voilà, Middlesbrough. Middlesbrough, c'est ça. Donc déjà, même si c'est vrai qu'il ne faut pas être alarmiste sur les matchs de prépa, etc., on est la moitié de notre préparation contre des clubs pro, parce qu'on rappelle que l'OM va affronter le Betis Séville et le club de Milan en rouge et noir à la fin du mois de juillet. Donc voilà. Mais bon, si on perd contre un club dont on n'arrive pas à prononcer le nom, généralement, Ça sent mauvais. c'est bizarre. Ça Il y a sent quelques mauvais. moments, il y a quelques, voilà, quelques paramètres qui font que c'est pas correct. Après, ouais, avant peut-être d'attaquer aux joueurs, je pense qu'il y a des choses dans le jeu que Ouais. j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à avoir un œil, on va dire, positif dessus. Après, voilà, on le répète et on va le faire plusieurs fois, machin, mais bon. Ouais. C'est une phase de la prépa, il y a plein de choses encore qui ne sont pas prises en compte, il y a d'autres arrivées, il y a peut-être des systèmes de jeu qui n'ont pas eu le temps d'être mis en place, j'imagine, à l'entraînement, etc. Donc il faut prendre un Ouais. minimum de recul. Faut un minimum de Et recul. après, Après, ouais, toi, Yas, moi, je vais te poser une question, justement. ouais. Enfin, qu'est-ce que toi, tu retiens, on va dire, déjà, du match, c'est-à-dire d'un point de vue offensif? D'un point de vue offensif, déjà, pas efficace. Je parle purement but. Moi, je parle vraiment en termes de stats, pas efficace. On t'entend de loin, Raph. Je sais pas si t'es en train de parler. Ah non. Ah, ok, je pensais que tu étais en train de. Je pensais que tu voulais dire un truc. Ouais, du coup, je disais pas efficace. Mais j'ai vu quelques moments de transition. J'ai l'impression que, en fait, je commence un peu à voir vers quoi Igor Tudor souhaite aller. Je sais pas si toi aussi tu l'as remarqué, mais j'ai l'impression qu'il est plus basé sur une sorte de jeu à l'instinct. Je sais pas si tu vois par exemple, il y a des phases de jeu où tu as Gerson, des 1-2 entre Gerson et Payet qui passent plutôt bien. Et tu vois, il y a des phases de jeu avec Guendouzi, etc. En fait, j'ai un peu plus de mal pour. Enfin, je vois que Guendouzi a un peu plus de mal sur ce type de jeu que les autres joueurs, comme Gerson, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'Igor Tudor, il essaye de placer un style de jeu lié à l'instinct où c'est vraiment du jeu à une touche de balle, avec des transitions assez rapides. Après, est-ce que ça va marcher sur le long terme? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut créer. Alors, après moi, je trouve que c'est normal qu'il y a des erreurs, c'est la prépa, tout ça, il y a des recrues, faut du temps. Ouais, bah exactement, c'est ce Oui, qu'on disait, c'est bien sûr. totalement ce qu'on Qui a disait. dit ça dans le chat, dans le C'était chat? Elbrus, c'était Elbrus. D'accord. Elbrus29. Oui, bien sûr. Moi, Ouais, je totalement. rejoins un peu cette analyse aussi de voilà, T'as totalement on peut d'accord, pas totalement raison. peut-être prendre en compte certaines erreurs individuelles. Par contre, quand tu sens que c'est des erreurs individuelles qui sont fendues dans un collectif, là, tu peux analyser de manière, enfin, même s'il faut prendre du recul toujours, tu peux analyser ça comme un manquement de l'équipe, on va dire, et des choses auxquelles qu'il faut corriger. Ouais. Après, moi, t'as raison sur le côté offensif. T'as l'impression que, enfin, moi, j'ai l'impression surtout que je sais pas où l'OM entre guillemets va, parce que j'ai vu des phases de jeu où ils étaient positionnés assez bas, on va dire, quand l'équipe attaquait. Tu voyais limite 8, 9 joueurs olympiens Ouais. tu sais, dans sa surface, ou alors collés à la ligne médiane, Totalement. avec un Payet qui redescend des bas, donc qui essaie d'envoyer en profondeur Milik. Ouais. Et Ça, on a Bakambu, vu que des c'est fois. compliqué. Ouais, bon, ça c'est ça peut-être un petit peu mieux structuré, mais bon, Ouais. c'est pas mieux. Il y avait Under d'une certaine manière, mais lui, Under, qui était totalement perdu dans ce rôle
Ah, je sais même pas si on peut qualifier ça en tant que piston ou quoi, parce que Ouais, je sais pas, j'ai j'avais pas l'impression aussi trop que compris perso. c'est Mbemba voilà, qui est chargé d'être une sorte de faux latéral droit. Enfin, c'était un peu bizarre. Ensuite, j'ai vu un pressing qui était pas du tout, mais alors pas du tout coordonné devant. Ouais, même je sais pas si tu te souviens d'une phase de jeu, moi qui m'avait aussi marqué, c'était un moment où t'as Rongier et Guendouzi qui se marchent sur les pieds. Ah Genre, oui, bah oui, y a c'est un vrai, gros c'était pressing et le t'as milieu même de la première Rongier qui mi-temps en plus. s'énerve. Ouais, qui a même Rongier qui s'énerve. Enfin, qui s'énerve pas, mais qui commence à sentir le truc. Du coup, il fait la remarque à Guendouzi parce que bah, il se marche sur les pieds. Et je pense, après, c'est la prépa, hein. C'est aussi ça la prépa. C'est tester certaines choses. Ah, bah, je suis en train de lire le chat et il y avait écrit. Au lieu de dire Elbrus, que vous pouvez dire Ewen. Ah ok d'accord bah ça va Ewen. Ah putain. Ah, là, là. Bah du coup, j'espère que ça va, Ewen. D'ailleurs, il dit non, non, franchement, moi je m'inquiète pas, c'est la prépa, faut du temps d'adaptation, tout ça. Justement, d'ailleurs, j'allais dire Elbrus encore. Ewen, je vais peut-être te mettre en comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. En modo là sur ce live là, vu que t'es là. Si jamais, voilà, si jamais tu vois, si jamais tu vois un message ou quoi que ce soit, peut-être te mettre en modo sur ce live là. Ça va nickel et vous? Ben nous ça va nickel, ça va super. Écoute, le match m'a un peu déçu, mais voilà quoi. C'est un match de prépa comme tu l'as dit. Faut un temps d'adaptation, faut tester certains trucs. On l'a vu même en fin de match, il y a eu des jeunes qui sont rentrés. On a vu aussi Mbemba pour son premier match. Voilà quoi, je pense qu'il a testé certains trucs. Je pense surtout qu'il a testé certains trucs tactiques. Parce que il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Il y a eu les entrées de Klose, de Hamavi. Tu as eu les entrées d'Elmas et Oussama Targaline Tagaline, aussi. ouais, qui je pense peut gratter du temps de jeu cette année. Hein. Ouais, Tagaline, même j'ai l'impression Hamavi qu'il aime aussi, bien c'est. Igor Tudor. Ouais, bah là c'est. Ah, il a l'air d'avoir quelques qualités sympathiques, Ouais. Mais moi, ce celui qui m'a vraiment plu, enfin les deux qui m'ont vraiment plu, c'était vraiment Bemba et Isaac Touré. Je sais pas si Ah oui. t'as vu la conférence Ah. de Mbemba? Présentation, oui, avec Ouais. Bemba et en première partie, il y avait Samuel Gigot. Ah Ouais, oui, ouais. toute sorte d'humilité un petit Ah, peu timide, mec, j'ai adoré. etc. Mais Mais ah en oui. fait, c'est pas vraiment son humilité. Moi, j'ai vraiment adoré la façon dont il parle parce qu'en fait, je sais pas comment dire. Tu sais, on dirait un PNJ dans les jeux vidéo, tu vois. Tu vois, sur Assassin's Creed, quand tu vas parler à des PNJ, on dirait c'est les mêmes. Genre, vraiment, il est cash et il parle vraiment comme il le sent, tu vois. T'as pas l'impression qu'il joue un rôle. C'est vraiment. Ouais. Je sais pas, il te dit ce qu'il pense, quoi, tout simplement. Et quand il dit, ouais, il me faut du temps, je vais apprendre. Mais frérot, tu vas pas apprendre là. Là, c'est toi qui vas devoir apprendre à Isaac Touré à jouer là. C'est vrai. Il a dit oui, ça va le faire. Faut Ça de va la le faire, patience, les gars. t'inquiète Soyez pas. patient, soyez Voilà. patient. Je suis quelqu'un qui est tranquille. Je suis Ouais, non, mais timide. c'est vrai, voilà, c'est moi, c'est assez sympa d'avoir ce genre de personnage. Après, bon, bah, très Ouais. peu expressif, donc Ouais. Non, voilà, mais j'ai. c'est dommage de ne pas forcément connaître la vraie ressenti sur les choses, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être un personnage assez sympa. Ouais, il a l'air d'être Mais, vraiment cool, et là. puis, oui, hein, comme tu disais, avec Isaac Touré, je pense que. Bah, surtout Isaac Touré, hein, c'est, je pense, s'il y a des points positifs dans cette première partie de la préparation, je pense que Isaac Touré rentre totalement dedans parce que. Bah, c'est quand même assez impressionnant de sa lecture, sa manière de gérer les duels, sa manière de aussi tenter toujours cette course vers l'avant. Franchement, non, c'est intéressant ce qu'il fait. Et puis après, bah, pour en revenir peut-être à quelques aspects du jeu. Ouais, je parlais du pressing, moi, le D'ailleurs, pressing au fond. j'en profite juste avant, je lis quand même, parce qu'il y a eu des messages de Ewen par rapport à Mbemba, etc. et Isaac. Donc, juste je les lis avant qu'on passe sur le truc, comme ça il y a une bonne transition.
Ça te dérange pas? Non, bah oui, je t'en prie. Du coup, il a dit j'adore son humilité, une bonne mentalité à avoir dans le groupe. Isaac aussi, j'ai bien kiffé. Encore, ces trois matchs sont vraiment assez forts. Il me fait un peu penser à Saliba quand même, Isaac. Après, moi, je pense que c'est surtout la taille, non? La taille aussi, ça joue. Ouais, puis non, sa présence aussi, enfin, sa volonté de toujours rester proche du joueur, etc. Oui, Son non, agressivité aussi, je trouve aussi ouais, ah oui, c'est ça. il est pas mal agressif sur le ballon. Enfin, sur le ballon, sur le porteur du ballon. Et même si tu vois l'action où Middlesbrough a une action sur coup franc, je crois. Et il y a un centre, et puis genre il se jette de la tête pour essayer de la reprendre. Truc de fou. Ah mais Il se prend un crampon oui. sur la tête en plus, je crois. Ouais, bah Ça oui, bah relève généralement normal. quand tu prends un crampon alors que le mec il fait 15 mètres, Ouais. bizarre. C'est un peu rugueux quand même. Ouais, tellement. Tellement, tellement. Ouais, du coup, tu parlais au niveau du jeu. Je sais plus ce que tu avais dit. Ouais, au niveau de la coordination du pressing, c'est-à-dire que je voyais l'équipe qui alternait entre position basse, après c'était assez haut sur le terrain, mais. Et devant, tu voyais ni Milik ni Oh, Payet. parlons de Jackson qui Milik. essaie de faire un peu ce qu'il veut, mais à part le ton, Milik et Rongier ce soir, je vais bien parler de leur cas là dans quelques minutes. Mais bah, moi, je voulais surtout amener des questionnements sur le pressing parce qu'on sait que Tudor, lui, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je vais pas vous mentir, je regardais pas les Las Véron, Ouais. hein, de ce que j'ai pu comprendre, il fonctionnait avec une sorte de pressing très haut et qui était vraiment mené par les trois de devant. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été Gerson, Milik, Payet. Et au final, j'ai vu, de la part des trois, c'était Ouais. même pas une envie de ne pas faire du pressing, ils le faisaient. Bon, peut-être pas avec la même fermeté que certains autres joueurs, mais ils le faisaient de manière tellement alambiquée que tu comprenais pas en fait pourquoi ils faisaient ça. D'un côté, tu voyais Payet qui essayait de fixer un défenseur central, Milik qui allait sur le sort de latéral. Après, tu voyais Rongier qui se mettait un peu plus haut, tu voyais Guendouzi, enfin, je comprenais pas du tout pourquoi c'était organisé comme ça. Ensuite, oui, t'as parlé de Payet et Gerson. Alors, c'est vrai Ouais. qu'ils ont bien combiné dans les petits espaces. Gerson, pour moi, ça a été le meilleur joueur tout le match parce que c'est lui qui a quand même réussi à créer du danger. J'ai l'impression qu'il s'est mangé au moins facile 5 ou 6 fautes. Ouais. Payet qui a quand même été assez juste sur la première mi-temps dans ses transitions, etc. Mais. Après c'est dur, hein. Under ouais qui était en dessous, enfin en dessous sur le terrain je veux dire par rapport à sa position habituelle, enfin je comprenais pas. Ouais. Et j'espère vraiment que ça va être réglé. Bon, il y a 5 jours avant de bêtises, là il y a Klose qui est rentré, on a vu que Klose évoluait quand même beaucoup plus haut, il a peut-être, je pense qu'on peut parler de stabiliser, mais peut-être voilà, permis de jouer en transition plus facilement, enfin voilà, Ouais, et il est je plus comprends dynamique, pas. quoi. Ouais, voilà, plus dynamique et placé d'une manière. Voilà, plus. Enfin, c'est un vrai piston aussi, quoi. Ouais. C'est un Des piston de métier, c'est un piston de automatismes, métier, c'est ça. totalement. Bon, après, je pense qu'il aurait pu tirer à un moment donné, mais il s'est retrouvé dans des situations auxquelles, voilà, il était, je pense, assez préparé. C'était sur l'action de Bakambu, non? Je crois. Ouais, oui, Passe en voilà, profondeur de quand on Payet. décale, ouais, c'est ça. Ouais, Payet qui envoie. Après, il y a une autre action aussi, Gerson décale le Bakambu. Et non, bah. Ouais, je suis un peu, on va dire peut-être pas estomaqué, mais un peu perturbé par l'organisation du pressing, l'organisation Ouais. offensive, etc. Pourtant, il y avait des, je sais pas si on peut parler de mouvements intéressants, mais voilà, quand ça dédoublait dans le dos de Gerson, avec enfin, Kolasinac qui prenait le couloir gauche, même si pour moi, Kolasinac, il est vraiment mauvais. Ouais, mais on va en parler aussi sur le Et sénat. voilà, est-ce que là, est-ce qu'on pourrait pas attaquer éventuellement le point de certains joueurs dont tu sens que ça va être compliqué? Ah bah Est-ce j'en que... profite parce que du coup il y a Ewen qui a dit Milik kata absolu. On va en parler. Parce qu'il faut commencer à parler français aussi. Bon, j'ai pas été un défenseur de Milik l'année dernière, pas à ce point-là. Mais toi t'avais émis des doutes, je sais Raph, t'avais émis des doutes. Je Moi. sais, tu
rivalité, hein, c'était les doutes, hein, c'était vraiment Oui, bah voilà, tu voulais, tu t'en voulais plus, quoi. l'aigreur, hein. T'en voulais Oui, plus. voilà, vraiment, Ouais, j'entraînais totalement le. mais moi, enfin, je sais pas que c'est pas que j'ai tempéré le truc, c'est juste que bah, je pensais que c'était possible de s'améliorer, etc. Et moi, là aujourd'hui, je vais vous donner une info exclusive. Voilà, donc Ewen, si t'es là, info exclusive, je vais vous expliquer pourquoi Cristiano Ronaldo n'a pas signé à l'Olympique de Marseille. Tout simplement, j'ai eu des échos d'agents. Cristiano Ronaldo n'a pas signé à Marseille parce qu'il a eu peur des contrôles orientés d'Arek Milik. Et franchement, même moi, j'ai eu très peur. Vraiment, j'ai vu ces contrôles orientés, j'ai sué. Vraiment, c'était une dinguerie. C'est fou, je comprends pas. En fait, je comprends pas son problème avec les contrôles. Et alors, quand c'est pas des contrôles, c'est les frappes. Oh là 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 Ça frappe là là. du pied droit là, mais ça jamais ça arrive comme ça il y a 2 ans. Hein. Je ne comprends pas. Enfin bref, après c'est un match de prépa, oui, il a eu une blessure, oui, il est revenu de blessure. Mais bon, au bout d'un moment, je peux pas accepter ce genre de truc, à chaque fois, quoi. L'année dernière, il nous fait des contrôles de 600 mètres en Conference League. Là, il t'enchaîne des prestations horribles. Bon, il faut commencer à se Ah oui, réveiller, non, quoi, mon petit Arcadius. mais franchement, bon. Oh là là, c'est dur, hein. T'as parlé de la frappe pied droit, à un moment donné, il y a aussi centre Ouais. en retrait. Non, mais la frappe pied droit, alors là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. J'ai vu la frappe du pied droit, waouh! Même lui, il a rigolé. Même lui, il a rigolé. Il a senti que sa frappe du pied droit, c'était pas normal. Donc, même lui, il a rigolé. Salut d'ailleurs à ceux qui sont arrivés. Carrément, bonsoir à vous, messieurs, mesdames, je ne sais pas qui. Oui, Le non. monde. Mais. Ah oui, non, vraiment, c'est. Je sais pas. Et puis, même au-delà du fait qu'il a loupé, pour moi, des actions assez essentielles, j'ai l'impression de voir vraiment le même Milik. Bon, après, c'est la prépa, etc. aussi. Mais le même Milik qu'il y a 3 mois, c'est-à-dire d'un mec qui n'est pas forcément touché très haut, dans le jeu. Donc il va redescendre parce qu'il se dit je vais pouvoir faire de remise, il n'y arrive pas. Ouais. Ensuite, il perd le ballon, machin, il essaie de faire un pressing, mais voilà, qui n'est pas coordonné. Mais ça, vous savez que je suis pas un Milik lover, c'est là, j'ai pas envie de le taper sur le pressing parce que je sais que ça, c'est des consignes tactiques et on ne peut pas forcément le critiquer dessus. Bon, à un moment donné, il a été utile, là il a vendangé beaucoup, il a quand même, pourtant, je voyais quand même Payet, Gerson. Kolasinac qui ont en plus été tournés autour de lui, enfin pour lui quoi. Ouais. Donc il avait quand même enfin il avait quand même moyen de faire autre chose. Mais même Kolasinac sur ses 20 premières minutes, je sais pas si tu avais remarqué le truc, mais sur ses 20 premières minutes, c'était vraiment poussif, hein. Waouh! Sur ses 20 premières minutes, il ratait vraiment beaucoup de ballons, très très lent. Ça m'avait fait vraiment peur. J'ai eu vraiment peur, mais il a réussi à se relever un peu juste après, puis ensuite à enchaîner quelques bons centres sur la deuxième mi-temps, donc ça m'a calmé. J'ai eu très très peur sur les 20 premières minutes, je vais pas te mentir, j'ai eu très 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 peur. Enfin, moi j'ai eu peur, mais enfin, j'ai eu peur dès que j'ai vu Kolasinac aligné en titulaire. Mais Après, toi, de toute bon, il façon, toi a. tu détestes tout le monde, de toute façon. Oh non, Toi, t'es un là je suis aigri, un. toi. Oui, non, je suis pas un aigri. Bon, si, c'est vrai, j'en suis un. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Kolasinac, bon, après, à ma vie non plus, il a pas montré, j'ai envie de dire, beaucoup de choses plus rassurantes. Ouais, bon, en vrai, je Kolasinac, pense que ça allait mieux que les 20 premières minutes de ouais. Kolasinac, je vais pas te Moi, c'est mentir. bonnet blanc. Hein. C'est pour moi. C'était chaud. Non, non, je sais pas. C'est un peu comme les deux laveurs de carreaux dans ton bol. Enfin, sincèrement. Il y a peut-être un qui a un peu plus de fluidité. Au final, non, ils sont rattrapés par leur bêtise. Non, mais du coup, non. Bah, Kolasinac, il s'est fait prendre dans le dos. Et il y a une période d'assez bien quand justement le circuit était préférentiel avec Gerson qui arrivait à se positionner assez haut avec des doublements, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps. Kolasinac, je l'ai vu louper des passes quand même assez dures. Ouais.
Enfin, Mais voilà. en vrai, j'ai craché dessus vraiment sur les 20 premières minutes parce que je trouvais que c'était catastrophique. Mais il y a eu quelques bons centres, tu vois, genre le centre qu'il a fait pour Under où on enchaîne, je crois, deux actions de suite, enfin deux Oui, frappes de suite. C'était pas Jason, mal. enfin, oui, il y a la frappe Ouais, il y a eu de l'apport offensif oui, après. de double arrêt de Stephen, ouais. Ouais. Non, non, ben, ouais, je. Et Après, c'est Gerson dur, hein. aussi. Gerson aussi. Gerson aussi qui a fait un Gerson, match pas mal. ouais, bah voilà, je pense que si on peut, est-ce qu'on parle un peu du Carongé, enfin du Carongé, j'exagère en disant que ça a été le plus mauvais, pas du tout. Non, non, c'est Mais pas, ça n'a pas été le plus mauvais. Ça n'a pas été le plus mauvais. Comme je t'ai dit, il y avait eu un problème de communication dans le milieu. De toute façon, au milieu de terrain, il y avait clairement un problème de communication parce que tu le vois quand je t'ai dit que Guendouzi et Rongier ils se marchent sur les pieds. Tu vois qu'il y a un manque de communication Je suis d'accord. et qu'il y a un souci. Après, oui, il y a eu, effectivement, c'était pas non plus le meilleur match du milieu de terrain. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est normal. D'ailleurs, petite info comme ça, je vous glisse maintenant. C'est pas de moi, c'est de Di Marzio qui vient de dire ça. Une piste de l'Olympique de Marseille. J'en profite, je lâche ça comme ça. Mais Nuno Tavares, quand on parle de Nuno Tavares, va signer à l'Atlanta en prêt avec option d'achat. Ah non, sans option d'achat, pardon. Sans option d'achat. Oui, Arsenal, de toute façon, a toujours dit qu'il ne voulait pas Ouais. Sans option d'achat, pardon. se séparer de manière, enfin, en long terme de Nuno Tavares. Ouais. Ouais, bah, après, moi, Rongier, je suis un peu plus peut-être pas dans la critique, mais je suis aussi dans l'attente en fait de Rongier au milieu de terrain. Et je suis d'accord qu'il y a clairement un problème central, c'est notre milieu de terrain, c'est les sorties de balles, c'est la créativité, Ouais. c'est les schémas de transition, les schémas à triangle, etc. Et pour l'instant, ça ne règle pas maintenant. Quant à Rongier, je l'ai trouvé. Alors, je pense qu'il a perdu très peu de duels défensifs. Ouais. Mais après, avec le ballon, ça a été très très mauvais. Je l'ai vu mal s'orienter sur le terrain. Ouais. On peut savoir le pourquoi du comment, est-ce que c'est une question tactique ou pas, le fait qu'il soit Je pense que c'est perdu. vraiment tactique. Et physique aussi. Ouais, physique aussi, mais après, bon, je l'ai vu faire des choix totalement fades, Ouais. des passes vraiment très latérales. Il avait encore la possibilité de frapper, puis il fait le mauvais choix. Je l'ai vu vraiment pas conduire le ballon vers l'avant. Ouais, je l'ai vu laisser des trous quand même dans son dos. Et je pense vraiment qu'on peut pas trop compter sur lui au poste de 6, hein. C'est quand même assez compliqué. Alors, je dis pas que Après, Guendouzi a fait un bon match, hein, mais ouais, tu vois un peu cette tendance aussi un peu exécrable à demander des fautes, etc. Tu sens que ça peut imploser aussi. Enfin, ce joueur après, peut c'est pour ça qu'on dit aussi c'est un match de prépa. C'est, je pense qu'il y a aussi des tests à faire, tu vois. T'es obligé de, pour savoir qui peut jouer, qui peut pas jouer, t'es obligé de faire ce genre de test. T'es obligé de remettre certains joueurs à leur poste, etc. Donc, en soi, j'en veux pas vraiment à Igor Tudor. C'est pour ça que je comprends la situation. Après, il va falloir que ça revienne vite, quoi. Il va falloir qu'ils sachent vraiment qui peut jouer à quel poste et qui peut pas jouer à tel poste. Parce que bon. Oui, mais moi, je pense vraiment qu'au poste de 6, c'est foutu. Hein. Ah bah, à voir, hein. Je sais pas. Je sais pas. Après, comme après. Moi, je veux pas enterrer les gens directement. Je veux pas enterrer les joueurs. Non, Ça, je c'est suis sûr. d'accord. C'est pour ça que même Milik, je l'ai pas enterré, alors que pourtant, je l'ai détruit sur son match. Mais voilà, moi, pour moi, les matchs de prépa, c'était pour ça. Mais bon, Milik, il faut aussi savoir qu'il avait enchaîné depuis la saison dernière. Donc, j'avais quand même déjà des restes de ce qui s'était passé la saison dernière. Mais d'un point de vue positif. Au niveau de mon point de vue positif sur certains joueurs, c'est que je remarque qu'il y a certains joueurs qui ont l'air d'être compatibles avec le style de jeu un peu instinctif, un peu une touche de balle de Igor Tudor. Je sais pas si toi tu vois quel type de joueur. Moi c'était Dimitri Payet et Gerson. Pour moi c'est peut-être les deux joueurs qui peuvent
essayer de vraiment s'implanter à ce style de jeu. Et celui, vraiment, je vais pas te mentir, celui que je vois le moins s'adapter, et tu vois, ça va peut-être t'étonner, pour moi, c'est Guendouzi. Vraiment, sans te mentir. Ça me surprend pas, ça Pour me moi, c'est surprend pas. Guendouzi parce que, en fait, c'est pas du tout une critique, hein, c'est pas du tout une critique. C'est pas que je dis pas qu'il a été, c'est pas, je dis pas qu'il est mauvais, il est très très bon, c'est un excellent joueur même, mais il est mieux quand l'OM a le ballon et quand l'OM garde la possession. Je vais m'expliquer, c'est le style de joueur qui garde très souvent le ballon et qui fait bien tourner le ballon. Voilà, c'est une sorte de relayeur assez moderne qui sait, voilà, qui sait passer d'un côté à un autre enfin, sous forme de transversal ou même de passe simple. Mais voilà, il essaye d'un peu diriger les matchs. Mais quand c'est instinctif, souvent il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques au niveau des passes, etc. Où tu vois Ouais, je suis d'accord. que malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Après, je sais pas si ça va, si Igor Tudor il va pouvoir faire quelque chose ou l'améliorer sur certains points, etc. Mais selon moi, je pense que c'est celui qui a le moins de capacité à se, comment dire, à marcher sur ce type de système, quoi. Ouais, se fondre dans le C'est système. exactement ça, exactement. Ouais, je sais pas si je serais aussi catégorique sur Guendouzi. Ouais. Après, c'est légitime hein, parce que tu vois, là, il a quand même, bon, il a quand même essayé de porter le ballon, machin, il a essayé de trouver des passes. Après, je dis pas qu'il est mauvais, hein, parce Notamment que pour ils vont me faire dire ce que j'ai pas dit. Ouais. Oui, non, bah, du tout, enfin, t'as pas du tout dit ça. Là, il a fini un certain match, on avait quand même vu plus en confiance. Ouais. Après, je pense que c'est une question de complémentarité dans le milieu, tu vois, ce genre d'interrogation, il vient parce qu'on n'arrive pas à savoir où va notre milieu de terrain et qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Guendouzi, oui, ils s'entendent. Enfin, il y avait quand même une certaine complicité technique, tactique avec Camara. Ouais. Il y avait un espace qui était défini. C'était vraiment le côté, on va dire, côté droit, etc. Ouais. Le demi-espace droit plutôt. Et là, bah, sous Igor Tudor, t'as l'impression qu'il doit couvrir une sorte de partie de terrain comme un relayeur ou deuxième piston, ouais, c'est enfin deuxième milieu de terrain. Donc je sais pas, c'est un peu compliqué. Ça se marchait aussi sur les pieds avec Gerson parce que justement il fallait coïncider un petit peu les profils. Et ouais, non, je comprends qu'il y ait des doutes sur Guendouzi. Après, moi, je pense que techniquement, il est quand même peut-être plus à l'aise qu'un Valentin Rongier. Du moins, il a montré peut-être des choses qui me vont plus aujourd'hui. C'est pas pour taper encore une fois sur Valentin Rongier, mais peut-être moins de crainte sur le plan, on va dire physique, technique, tactique et physique de Guendouzi que pour Rongier aujourd'hui. Après, voilà, voilà, comme tu as dit, c'est une question d'automatisme, c'est une question de consigne, c'est une question de préparation. Donc, ça, le bilan, on le fera dans les premières journées de Ligue 1, tu vois, C'est vrai, ça. c'est pas maintenant qu'on peut le faire. Mais après, c'est sûr qu'en comparaison avec un Gerson qui a peut-être mis quoi 10-15 minutes avant de Ouais, de commencer son prendre match. Il a bien c'est ça. commencé, quoi. Après, les 10-15 minutes, il a deux ballons, bon, il les perd, mais il avait que deux ballons à toucher, quoi. Et quand on meilleur milieu de terrain, enfin le plus technique, etc., avec Payet, touche deux ballons en 15-20 minutes. Il y a quand même de quoi se poser des questions au-delà du joueur, tu vois. Ouais, totalement. Et voilà, tu vois, après, je sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que l'OM va recruter un 8 avec un mec qui est capable de casser des lignes, etc. À voir, ça parlait de verre et tout, je sais pas, on va bien voir. Je suis un peu dubitatif par les profils. Est-ce qu'il faudrait pas quelqu'un un petit peu plus créatif, une sorte Ouais. de 10? Mais bon, si c'est pour le mettre plus bas, c'est sûr que ça va le brider, etc. Moi, même si je pense que. Ça aurait fait du bien ce soir d'avoir un Amine Harit, hein, même si j'ai l'impression que là, si même persiste, même un joueur excellent ne pourrait pas pallier à tout cela. D'ailleurs, aucun rapport, mais est-ce que tu avais entendu je sais pas sur quel truc tu regardais, je sais pas si tu regardais sur Twitch ou sur RMC ou sur Ah non, je suis allé BFM. sur MC Sport. Ah, ok. T'as entendu le commentateur quand il avait dit à un moment il y a Kolasinac qui s'est pris une balle perdue, je sais pas si tu l'as entendu.
J'ai pas le souvenir du coup, parce que Ah c'est vrai que j'ai ouais, capté les. il y a moyen que tu l'aies pas entendu, mais il avait dit, même moi j'étais, j'ai bugué, je me suis dit, mais attends, mais il a vraiment dit ça ou pas? Il avait dit, Kolasinac, il était bien plus rapide quand il fallait défendre aux îles des agresseurs. Vraiment, il a sorti ça. Il a sorti ça. Et vraiment, j'ai bugué, je me suis dit, attends, c'est vraiment un commentateur là? J'avais l'impression que c'était un tweetos ou un mec sur. C'était moi en fait, c'était moi, j'étais en train de commenter le match. Moi, même à un moment donné, il dit ouais, si la loi m'avait pris le but, ils auraient pris même Taro que contre Norwich et tout. Je dis, bah, Ah ouais, aussi. J'ai dit, mais waouh, ok, d'accord, le gars est cash, quoi. Ok, pas de souci. Non, mais c'était anecdotique, mais voilà, quoi. Mais voilà, quoi. Sinon, je sais pas si t'as d'autres points à voir. D'ailleurs, quelques belles arrêts aussi de Paul Lopez à certains moments. Bon, il s'est pris deux buts, mais bon, vu les erreurs défensives, je vais pas lui en vouloir. Les erreurs défensives de Balerdi et Kalaitachar, donc bon, c'est un peu comme ça. Après, je sais pas si tu as des points à voir aussi, d'autres points à noter. non, bah rien de spécial, Voilà, ouais. non. Moi, Je je. pense qu'on a fait un tour. Ouais, on a Par fait un peu le exemple, tour, ouais. Payet. Ah si, j'ai peut-être aussi peur un peu que Payet, on sait un Ah, je peu sais comment ça pas. fonctionne avec Bon, en lui, tu fait. vois. Je me dis, il avait au début, il avait l'air de un peu de péter un câble dans le sens où je me dis, voilà, il sait qu'il a comme des tâches un peu ingrates de créer à partir de rien. Ouais. Mais c'est Bon, surtout que et c'est c'est le plus là seul, qu'il. j'ai l'impression que c'est le seul qui surnage de par rapport aux autres, quoi. Salut Sam. Il a dit non, c'est fort. Je suppose que tu parles de Payet. Je sais pas, à moins que ce soit en retard, mais je pense qu'il parle de Payet. Mais non, moi, pour moi, c'est le seul qui surnage par rapport aux autres. Sam, vous êtes bon, les gars. Merci. Merci, mon ref. Merci. Merci, Sam. D'ailleurs, t'es nouveau parmi les spectateurs parce que je t'avais jamais vu sur les lives. N'hésite pas à t'abonner. On est 98. Et le mec, il fait sa pub en plein live. On est 98 followers. On est N'hésitez 98 followers pas, pour atteindre les 100. je ne connais pas, il s'appelle Sam, c'est ça? Et ouais, moi non plus, je connais N'hésite pas à aller suivre le compte Twitter, pas. aussi Alors toi, tu vas faire n'hésite ta pub aussi sur tous les pas. trucs. Ah oui, non, mais n'hésite pas, on a un PayPal en bio aussi, donc n'hésite pas à garnir le compte, hein, N'hésite y a pas, pas. c'est pour acheter Ronaldo, donc voilà. C'est On a qui tous tout doux. rêvé, donc. C'est comme ça. Mais ouais, je disais Payet. Payet, j'ai l'impression que c'est le seul qui surnage par rapport aux autres parce que bah les autres, je parle offensivement parce que c'est le seul qui a vraiment un petit grain technique. Et du coup, bah forcément, si t'enlèves Payet, bah t'as plus rien qui se crée, quoi. T'as plus aucun jeu qui se Ouais, crée. Et c'est un souci à non l'OM. C'est vraiment un souci. Je comprends pas. c'est vrai. C'est Après, il vrai. y avait même ça l'année dernière aussi, hein, j'ai envie de dire, même si on avait Ça, le ballon chaque année. pendant. Chaque année. Chaque année, c'est comme ça. Je me dis, ce qui est plus frustrant, c'est pour lui, c'est à la rigueur quand. Voilà, Sam, il parle français. Regarde, il te dit, comme d'habitude en vrai, avec Payet, c'est dommage que l'OM n'arrive pas à se débrouiller sans lui. On comprend pas. C'est vrai, il a raison. Et puis là, à la rigueur, quand il avait une équipe composée de Radonjić, de Valère Germain, de Morgan Sanson, que lui il fasse le jeu tout seul, j'imagine que voilà, ça le dérangeait pas parce qu'il savait que c'était le seul joueur pour le faire. Ouais. Là, comme t'es quand même entouré de joueurs qui sont plutôt qualitatifs, tu vois, que ça Ouais. soit Gerson, que ça soit Under, machin, tu dois encore plus le frustrer de se dire, bon bah là, je sais que ces mecs sont capables de le faire, mais il y a un coach derrière qui. Bon, j'espère pas qu'il va se dire ça, il faut pas prendre non plus Ouais, puis trop je pense en d'optimisme, quoi, vrai, je pense qu'il se le mais. dit pas parce que c'est un match de prépa, etc. Faudra voir sur Ouais, les c'est matchs ça. de Ligue 1 où il y a moyen que là ce soit compliqué pour lui. Mais Raison, on est en train d'avoir peur pour deux matchs de prépa, enfin trois, on va dire. Donc peut-être qu'on prenne du recul, mais c'est vrai que. On ouais, c'est comme coordonne ça. dans tous nos états, et puis le fait de faire des analyses à chaud, c'est Ouais, pas sympa. c'est comme ça aussi. C'est les analyses des matchs de prépa. En fait, c'est parce que l'OM me manque. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça aussi qu'on fait les lives d'après-match sur les matchs de prépa. Il a quand même 35 ans. Au bout d'un moment, il faut penser à l'avenir. Et oui. Et je pense que c'est aussi un. On va parler un peu recrutement, si ça ne te dérange pas, avant de finir le live. Ah ouais, et puis on peut faire même une transition avec le fait que dimanche soir on a une émission en Ouais. préparation avec Footballski
Football. Ah Tu oui, c'est comptes vrai. le CM, c'est ça le CM du compte Le Twitter CM. Football Ski, Totalement. dédié au foot serbe. Donc on va le recevoir pour qu'il nous parle de la piste plus que concrétisée Darko Lazovic. Donc Ouais, en pour défenseur un petit peu gauche. ton analyse, c'est ça, en piste Yeah, gauche, voir c'est ton un analyse peu. un petit peu. C'est un peu un expert du football serbe, c'est ça? Je crois. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est le ça, du football football serbe, serbe. que ce Et soit du coup. l'équipe nationale, et Ouais. il suit aussi les joueurs serbes dans les championnats, donc Et du même coup, plus il que le ça, la connaît un Serbie a peu. une très belle équipe. Voilà, Il donc il connaît nous en beaucoup de parlera joueurs, il connaît dimanche. très bien. Ouais, Et il a en. fait un trade, hein, qui a fait un petit peu de bruit Ouais. parmi Totalement. les Twittos OM, là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens, donc Ouais. pourquoi pas le Et mettre en avant, mais. du coup, ouais, il sera là dimanche, je crois, en deuxième partie d'émission. Il va nous parler de Darko, qui devrait arriver à l'OM. Mais en première partie d'émission, on parlera du mercato. Sam qui dit, parce qu'en vrai, qui pourrait reprendre son rôle à l'OM à l'heure actuelle? Et c'est pour ça que du coup, je voulais faire une transition sur le recrutement. Pour moi, actuellement, à l'OM, bon, je vais pas dire personne, parce que je serais vraiment de mauvaise foi pour dire personne, mais celui qui s'en rapproche le plus, c'est Gerson. Mais le problème, c'est que Payet, ce n'est pas un joueur comme les autres. Je vais parler français. C'est un Oui, non, joueur mais spécial c'est. qui a des qualités un peu partout, que ce soit en dribble, que ce soit en passe, que ce soit en frappe. Du coup, forcément, pour trouver un mec pour reprendre son rôle, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que si Oui, bah tu. ça fait partie des meilleurs de joueurs de l'OM passés au Ouais, c'est XXIe ça. siècle. Hein. C'est Même, ça. je pense qu'on peut caractériser comme peut-être pas les légendes de l'OM, mais en tout cas, ils gravitent autour. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que Gerson. Voilà, et percussion, balle au pied aussi, tu vois. Mais c'est pour ça que le problème, c'est que si tu donnes ce rôle-là à Gerson, il a des lacunes qui peut pas. Qui peut pas. Bah, qui font qu'il peut pas jouer ce rôle-là. Et pourtant, Gerson, c'est un très bon joueur. Hein, c'est un excellent joueur. Mais. S'il n'a pas toutes ces qualités-là, il peut pas faire le rôle qu'a Payet. Et c'est pour ça que je voulais noter que c'est l'un de nos problèmes de recrutement depuis des années, des années, des années. C'est le poste de numéro 10. C'est vraiment le poste de numéro 10. On n'arrive pas à trouver un mec qui peut essayer d'être remplaçant de Dimitri Payet. Bon, si ce n'est peut-être, tu vois, toute proportion gardée, on avait eu Lamine Harit sur la fin de saison qui avait très, très bien joué son Ouais, rôle, mais il est irrégulier et du coup, bah, tu le vois pas, quoi. Tu vois pas vraiment l'échange, quoi. Ouais, mais c'est pas après, avec. Lamine Harit, ça fait partie de ce genre de joueur, enfin de profil qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, et il avait apporté des choses très positives à l'OM. Et après, Ouais, dommage mais que c'est c'est. dommage que d'ailleurs on se positionne pas sur lui. Et après, dans C'est ce rôle-là, il y a irrégulier. peut-être Under qui peut rentrer, tu vois, aussi dans ce genre de profil. Est-ce que derrière l'attaquant, ça pourrait le faire? J'ai l'impression que oui, enfin, il a l'air d'être suffisamment à l'aise techniquement, mais là, tu vois, le bazarder piston droit, ailier droit, machin. Ça va Ouais. pas l'aider. Je sais qu'il a besoin d'espace, je sais qu'il a besoin d'avoir ce petit changement de rythme et revenir sur son pied gauche. Donc pour ça, faut qu'il parte du côté droit. Mais bon, je suis persuadé qu'aussi, c'est un mec qui peut être un peu partout. Et D'ailleurs. Igor Tudor ne le pense pas, je pense, enfin ne pense pas le disposer comme ça sur le front de l'attaque. Donc c'est bizarre. Totalement. Ouais, mais c'est pas avec Gerson que tu vas réussir à passer un cap. Pour la Ligue 1, c'est cool. Mais au bout d'un moment, faut penser Ligue des Champions. Bon, après, moi, je connais. Enfin, j'ai pas vu Gerson encore en Ligue des Champions. Donc, je demande à voir. Mais bon, si pour avoir des joueurs Ligue des Champions, il faut une chose, c'est des sous. Actuellement, Ouais. je crois pas que notre club soit assez. Voilà, et assez de sous pour s'acheter ce genre de joueur. D'ailleurs, j'en profite parce que j'avais eu une info de source sûre, pour le coup. Je vais pas dire qui c'est parce que j'ai pas son approbation si je peux dire cette info. Mais le dernier, on avait eu un accord, hein, je dis bien un accord verbal avec un club pour l'arrivée d'un numéro 10 à l'OM. C'était il y a Okay.
un an ou c'était en hiver, je sais plus, c'était il y a un an je crois. Ok. C'était avec Vélez pour Thiago Almada. C'était Ouais. de 12 millions d'euros. On avait un accord avec le joueur, on Oui, avait un oui, accord oui. verbal avec le club qui a été rompu parce que il y a eu. En fait, le truc, je vais vous expliquer un peu. Sam qui dit, ouais, c'est des radins. Bah, écoute, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, Franck McCourt n'a plus assez de sous. Donc, c'est comme ça. Il va falloir aussi penser. Ouais, C'est et pour ça que. puis... C'est pour ça qu'aussi que Longoria essaye de penser à des joueurs d'avenir pour essayer de faire de la plus-value. Ouais, après, pour ce qui avait, je crois, pas trop fonctionné avec Vélez, c'est que ouais, l'Atalanta, le club américain, avait proposé un peu plus sur lui, Ouais, rapidement, lui, et il y a peut-être même un aussi l'idée truc, de partir aux États-Unis. même pour te dire, même avant que l'Atalanta arrive, Ouais. l'Atalanta, pardon, arrive, ils étaient. C'est Atlanta United, non? Oui, Atlanta Ouais, United, ouais, pardon. parce que Atlanta, c'est Bergame, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, ouais, avant même qu'ils arrivent, l'accord avait déjà été rompu à cause de. Apparemment, ils avaient réestimé leur offre. Comme tu te souviens de l'histoire de Maele avec l'OM? Ah Eh oui, bien, qui c'était devait... exactement pareil. Apparemment, c'est exactement pareil que ça s'est passé. On avait un accord à 12 millions qui a été surévalué à 15 millions juste après. Je pense, bah, là c'est que mon avis, là c'est que mon avis, mais je pense que c'est dû aussi à tous les avis qui sont sortis, à toute la hype qu'il y a eu autour de ce transfert. Je pense, après ça c'est qu'un avis, mais je pense aussi que ça a joué dans le fait que le club rehausse le prix. Mais ça a fait exactement la même chose qu'avec Maele, c'est ils ont vraiment relevé le Ouais, prix la fin juste après. était... Juste après, Ok. du coup, bah, l'Atlanta est arrivé, et, bah, ils ont fait l'offre qu'ils ont fait et du coup, il a signé là-bas. Enfin bref, en parlant Ouais, du bah non, joueur. mais c'est... Ouais, c'est ça, ça fait souligner que l'OM a... Oui, c'est toujours difficile de trouver l'après paillette. Ouais. Et ce qui est assez difficile, c'est de se dire que là, en fait, il n'y a même pas de piste hein, qui émane... Ouais, là, j'ai l'impression qu'on a laissé tomber. Ah, c'est bizarre, je me dis, bon, peut-être même, ouais, c'est assez compliqué. Je sais pas si c'est une volonté d'Igor Tudor, mais en tout cas, ça serait assassin au vu des manquements qu'on a observés là pendant la première partie de la prépa, de pas chercher un mec qui est quand même capable de créer autre chose que par la course, que par la conduite de balle, etc. Même si on a des joueurs qui peuvent compenser, un mec dont le profil est uniquement lié à la créativité, c'est ce qui manque, quoi. Ouais. Et D'ailleurs, il y a peut-être. salut Harik, parce qu'il vient d'arriver. Et j'en profite, on recommence le processus. Harik, on est 98 followers. N'hésite pas à follow pour qu'on atteigne les 100. Il a dit, la défaite, c'est dur. Et oui, la défaite, c'est dur. C'est un peu compliqué. On en a parlé, du coup. Bah voilà, on a donné un peu nos avis sur le match, même si. Toute proportion gardée parce que c'est un match de prépa, mais voilà quoi. On essaye de donner notre avis malgré tout sur ce match. Tu disais quelque chose, Raph? Bah non, je voulais peut-être on n'a peut-être pas parlé je crois en début d'émission l'un des problèmes principaux aussi qu'on observe depuis le début de la prépa c'est qu'est-ce qu'on fait de la relance? Qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on enfin comment on l'articule plutôt la relance là j'arrive pas à voir ne serait-ce qu'une piste d'amélioration par rapport à Norwich où Paul Lopez, il est totalement perdu. Soit il doit dégager, soit il essaie de relancer court, mais tu as des joueurs qui sont pas à proximité de lui, donc c'est toujours compliqué. Tu envoies des grands ballons devant avec des milieux de terrain ou Arek Milik qui n'arrive pas à gagner des duels de la tête. Ça, Compliqué. c'est quand même des grosses problématiques et j'ai pas l'impression que l'après, enfin, que c'est en train de se régler. Donc à voir contre le Betis Séville, à voir contre le Milan, à voir les entraînements, mais ouais, y a quand même des gros soucis. Ouais. Et puis je sais pas trop comment ça peut un peu s'articuler, mais c'est On difficile. J'essaye de voir. Ouais, il est espère. incapable de se sortir d'un pressing plus ou moins haut et n'arrive pas à créer de très bas, sachant que c'était quand même notre force, entre L'année guillemets notre dernière. force. C'était un peu stérile, ouais, l'année dernière on était quand même capable de au Nous moins avons. de trouver le milieu de terrain ou le dernier espace rapidement. Bon, on ne faisait pas grand-chose après, mais.
Mais au moins, voilà, l'OM arrivait à relancer court et alterner. Et là, au final, je vois aucune piste d'amélioration entre le match là et le début du match contre Norwich. Ouais, totalement. Donc, à Bah, voir, hein. après avoir sur le sur comme je t'ai dit, sur le long terme, si Igor Tudor arrive à un peu pousser le truc et à les aider, à aider les joueurs, faudra voir ça. Et puis il faut attendre aussi la prépa physique qui se définit un peu. On verra ça en Ligue 1. Mais ouais, il y a des problèmes, que ce soit en transition ou même, bah on le voit techniquement, tactiquement surtout, il y a quelques problèmes. Mais c'est qu'un match de prépa, donc je pense qu'on verra quelques trucs, on verra sûrement certains changements d'ici là. Il y a encore le mercato aussi, donc je pense que Longoria voit ça, il voit un peu les problèmes, et Igor Tudor il va demander aussi certains joueurs. Donc à voir. À voir à ce niveau-là. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, si Non, moi, Harry, pour moi ça c'était vous fait. le. Okay. Moi, bon, pour moi c'était un peu le. Ouais, je voulais terminer là-dessus. On va dire une crainte. Je sais pas si elle est légitime. Je sais pas si c'est. On doit la porter alors qu'on a que deux ou trois matchs de prépa, mais. Mais voilà, c'est sur ça, je vais me concentrer sur les prochains matchs, quoi, la relance, Ouais. la transition offensive et le pressing devant, quoi. C'est là qu'on va Vraiment les on va focus gros sur de ce genre de l'offensive. trucs pour les prochains matchs, ouais. Contre Ouais, Milan, contre clairement, Métis, clairement. etc. Ouais, totalement. Totalement. Donc Bah, du coup, bah, je pense limite fin de live. Hein. bah, fin de live et donc on se revoit dimanche avec on a dit Ouais. football ski. En attendant, Soyez suivez là. Hein. nos réseaux sociaux, rejoignez le serveur Discord aussi pour Allez, ceux qui. les gars, ceux qui sont en live, là, vous êtes là, vous regardez le live, mais profitez-en, les gars. Vous avez le Twitter, vous avez le Twitch si jamais vous voulez avoir une notif dès qu'il y a le live, au moins vous êtes tranquille. Et insultez Steven aussi, s'il vous plaît, insultez-le. Ouais, Hein. insultez Steven. Oh, N'hésitez pitié, pas, il n'y insultez a pas de Steven. souci, quoi. Vraiment, C'est pas grave. il nous gaffe, Steven. Steven, en gros, pour vous expliquer, ceux qui sont pas là de base, c'est le troisième, pour le troisième membre, on va dire. De l'équipe, et bah voilà. Et des fois il fait irruption, des fois il est malade bizarrement. Là, il m'a dit apparemment il a vu le contrôle d'Arek Milik et il n'a pas pu venir lui aussi. Apparemment, les contrôles d'Arek Milik, voilà, ils sont dévastateurs. Donc Pourtant, Lirola, t'es pas préservez-vous. titulaire. Hein. Ouais, donc On n'a pas préservez-vous vu de ce une genre de seule truc. seconde de Lirola, donc faites gaffe. Hein. Mais bon. Ouais, Bon, un grand écoutez, bonne hater. soirée à tout le monde. On se revoit dimanche pour Salut tout ceux le qui monde, seront à dimanche. dans le live. Et bonne N'hésitez soirée pas à à tous. venir. N'hésitez pas à venir, Sam, Ariac. N'hésitez pas à venir. Et Ewen aussi. Donc, salut tout le monde. À la prochaine. Salut, salut.